Maintenant, en image sur l'inauguration du gymnase de la Butte à Éragny-sur-Oise, à l'occasion de découvrir l'extension de cet équipement, projet mené par la communauté d'agglomération, partenariat avec le conseil régional, le conseil général et la ville d'Éragny. Une grande salle de 1080 mètres carrés complète l'ancien gymnase. Elle peut accueillir des sports collectifs d'intérieur, mais aussi du tennis ou du badminton. Une tribune permettra d'accueillir jusqu'à 250 spectateurs. Et donc, ces tribunes, bien sûr, seront accessibles aux personnes à mobilité réduite. C'est un gymnase polyvalent qui accueillera sport, mais aussi grands événements, comme l'explique au micro de Marie Chaudet, le maire d'Éragny-sur-Oise, Dominique Gillot, qu'on écoute. C'est pas du tout exclu qu'on accueille des manifestations extérieures, le hand de Saint-Ouen-l'Aumône ou le basket. Enfin bon, le sport, les compétitions sportives sont aussi du spectacle, qui est un moment à partager avec collectivement, hein, qui soulève l'enthousiasme, qui motive le public de toute génération. Donc vraiment, c'est ce que ça va nous permettre. Et puis une salle de cette nature, compte tenu des équipements dont on s'est doté pour protéger le sol, nous permettra aussi d'accueillir des spectacles de grande ampleur, ce que nous ne pouvons pas faire jusqu'à maintenant.